s'appelle l'elfe au dragon au funeste pays des Oracides, écrit par Arthur Tennor. Ça raconte l'histoire d'un elfe qui a comme compagnon un dragon, mais et au cours d'un voyage avec une de ses camarades, elle se fait voler son âme, mais elle est toujours vivante. Et il repart chercher son âme, mais il se fait attaquer par des meurtriers du clan des magiciens. Et son dragon se fait tuer. Et après cette leçon, il arrive dans un autre village et il va faire un entraînement pour devenir un hoplite. Et il va faire de dures épreuves, comme combattre des gigants trolls. C'est des trolls, mais qui sont géants. Et il fait tout ça, et après, il devra aller récupérer l'âme de son ami. Et tu as aimé? Ouais. Et c'est bien parce que c'était bien écrit, et il y a beaucoup d'action.